Inch'Allah. Inch'Allah. On parlera de toi. Tu feras des exploits. Si tu ne baisses pas les bras, calme-toi, calme-toi. Concentre-toi sur ton taf. Le reste n'existe pas. Sois le premier de ta classe. Allez, bouge-toi. Ne brûle pas les étapes. Évolue pas à pas. Trace ton chemin, ton histoire. Allez, bouge-toi. N'attends pas de miracle. J'attends de toi que tu donnes tout ce que tu as comme courage. Inch'Allah, Inch'Allah. Tu brilleras comme une étoile. Maman sera fière de toi. De là où elle est, elle prie pour toi. Ne me demande pas pourquoi dans ce monde les hommes les plus grands paraissent savoir qui c'est. Bonjour chers citoyens de Vavoie. Nous constatons que le travail abattu par la mairie de Vavoie est effectif. Il faut rappeler que c'est une opération initiée par le gouvernement de Côte d'Ivoire qui a donné autorisation à toutes les mairies du pays d'effectuer le déguerpissement de tous ceux qui sont installés de façon anarchique sur le domaine public. Donc nous constatons que le travail a été abattu par le maire Bonaventure Kalou. Un travail vraiment effectué dans les règles de l'art. Et nous voyons que nous avons eu le soutien de beaucoup de citoyens qui ont approuvé ce travail abattu, qui ont approuvé cet acte du maire Bonaventure Kalou. C'est ça aussi le développement. Le développement, il commence par respecter les lois. Les lois du foncier, les lois de la République de Côte d'Ivoire, les lois de l'État. Donc le travail a été abattu. Et nous saluons ce que le maire a fait. Voilà. Vous-même, vous voyez que certains étaient installés sous les câbles de haute tension. Il y avait des constructions ici sous les câbles de haute tension. Ce qui ne doit pas être. Ce qui n'est pas correct. Vous voyez les câbles de haute tension. Beaucoup étaient installés là. Et tout ça, c'est le domaine public. Mais ceux qui ont été. Tous les moulins qui ont été. Et des guerpies. La mairie là, a trouvé un nouveau site depuis 2020. Début 2021, la mairie leur a offert un site pour qu'ils puissent s'installer. Mais ils ne voulaient pas partir. Ils disaient que être aux abords du marché leur apportait de l'argent, faisait marcher leur commerce. Donc, voilà. Le déguerpissement s'est fait en suivant toutes les procédures judiciaires. Merci à vous citoyens de Vavoie. Le développement de Vavoie est en marche. Merci à vous.